Bonjour frères et sœurs de Radio Arc-en-Ciel, YouTube et Facebook, et tous ceux et celles qui nous écoutent au-delà de l'océan. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes avec Mauricette en ce beau jeudi 9 mars 2023. Et bien sûr, vous êtes toujours en compagnie de toute l'équipe de Jésus et mon guide, à qui je fais un grand coucou. Eh bien, nous sommes très heureux de vous partager cette belle séquence où, en ce beau jour, nous fêtons Sainte Françoise Romaine. Françoise Romaine, née à Rome en 1384, est morte en 1440. Dans la même ville, est une épouse et une mère de famille fondatrice des Oblates de Marie, appelée depuis Oblate de Sainte Françoise Romaine. Elle est reconnue sainte par l'Église catholique et fêtée le 9 mars. Eh bien, bonne fête à toutes les François et Françoises. Et bien entendu, joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que votre journée soit merveilleusement belle. Eh bien, en ce mois de mars, nous fêtons également Saint-Joseph. Je vous propose une petite prière qui sera suivie d'un très beau chant. Et puis, la lecture de Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 10, d'un petit résumé, et puis du psaume qui sera dit par Irine, et d'un chant final. Eh bien, très belle écoute à vous tous et toutes. Prière à Saint-Joseph pour les travailleurs. Ô Saint-Joseph, patron de l'Église, vous qui près du Verbe incarné avez travaillé chaque jour pour gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner, vous qui avez éprouvé l'angoisse des lendemains, l'amertume de la pauvreté, la précarité du travail, vous qui faites briller l'exemple de votre personne, humble devant les hommes, mais très grande devant Dieu. Regardez l'immense famille qui vous est confiée. Bénissez l'Église, soutenez-la toujours davantage sur la voie de la fidélité évangélique. Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, les empêchant de tomber dans le découragement, les révoltes négatives comme les tentations du plaisir. Priez pour les pauvres qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, suscitant continuellement en leur faveur l'aide providentielle de leurs frères mieux pourvus. Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui seule peut garantir les développements des peuples et le plein épanouissement des espérances humaines pour le bien de l'humanité, pour la mission de l'Église, pour la gloire de la très sainte Trinité. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens.
bien simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Sur toi, Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Tout centré sur toi, Jésus.
Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. Maudit que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert et une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant de ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun, selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De Jérémie, qui est un livre extrêmement beau, on voit dans le chapitre 17, entre autres, les sentiments d'un homme croyant qui aime Dieu et les fidèles. Il dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme » et plus loin « Bénit l'homme de qui l'Éternel est la confiance ». Voilà une malédiction et voilà une bénédiction. S'il y a un pauvre pécheur qui ne soit pas converti et qui se confie en l'homme, en ce que l'homme enseigne dans le moyen de salut que les hommes ont inventé, eux qui disent aux pauvres pécheurs, confiez-vous dans vos bonnes œuvres, confiez-vous en vous-même. Dieu lui dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. C'est une confiance mal placée que la confiance en soi pour faire son propre salut. Mais béni l'homme qui se confie en l'Éternel, le croyant se confie en Dieu pour le salut de son âme. Il a saisi le moyen que Dieu offre, qui croire au Fils et à la vie éternelle. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Pour un pécheur qui croit cela,
La foi qu'il a équivaut à la déclaration « Je ne me confie pas en moi, ni dans mes bonnes œuvres, mais je me confie en Dieu, dans le sang de Christ. » C'est la confiance de base de la vie chrétienne. Sans cela, il n'y a pas de christianisme. Chers amis chrétiens, frères et sœurs, rappelons-nous ce que Dieu dit. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras. La chair, c'est l'homme. Dieu nous dit lui-même qu'il ne se confie pas dans l'homme. Il ne se complaît pas aux jambes de l'homme. Il n'a pas besoin de son intelligence, de son zèle. Dieu n'a besoin de personne. Tout le monde a besoin de lui, tandis qu'on voudrait nous faire croire le contraire. On voit des hommes qui s'efforcent de vivre sans Dieu et de se passer de Dieu, alors que personne ne peut se passer de lui et que Dieu pourrait se passer de tout le monde. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, cela va très loin. Est-ce que dans notre vie, nous nous appuyons sur l'homme ou sur Dieu dans nos circonstances? Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit et son temps. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Eh bien voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci à vous de nous avoir écoutés et surtout portez-vous bien en ce temps de carême. Soyez toujours dans la joie dans la paix surtout, dans le partage avec son prochain, avec une petite personne qui est dans le besoin, une personne malade, une personne âgée qui aurait besoin, je sais pas, d'être aidé pour nettoyer sa cour, jardiner, ou bien faire les courses, ou bien un petit brin de ménage. Alors n'hésitez pas, ce temps de carême, c'est un temps aussi de charité, un temps d'amour aussi, hein, à partager avec nos frères et sœurs. Soyons toujours, ayons toujours un visage lumineux, joyeux et surtout paisible. Voilà, et bien... Et surtout, accrochons-nous toujours à Dieu. Visons toujours le ciel, là où se trouve Père, Fils, Saint-Esprit, et qui nous illumine chaque jour et qui nous donne, qui subvient à nos besoins, qui nous donne le souffle de vie surtout. Eh bien, soyez heureux en ce temps de carême. Et je vous souhaite un très bon carême et une très très belle journée. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour, dans sa paix, dans sa joie. Et pour ce chant final, j'ai choisi Dieu, tu es mon soutien, un très beau chant que je découvre et que je vous fais découvrir également. Excellente journée à vous et à très bientôt. Au revoir, bye bye.
Je me sens bien. Près de toi, je